El dueño de una D'ailleurs, Gare vont furgoneta être a beaucoup marca braqués sur lui alemana. aujourd'hui. 4 buts marqués à lui tout seul lors de sa dernière sortie. Et pas sûr qu'il n'en fasse pas autant encore aujourd'hui. Il en est capable. On en parle tout de suite sur eSport. Salut à tous, c'est un match humide que nous allons vous proposer aujourd'hui, puisque vous le voyez, la pluie tombe sur le stade. Au commentaire, Hervé Matou accompagné de Pierre Ménès, à la place au championnat espagnol aujourd'hui, avec une rencontre de la Liga Santander. On attend un spectacle de qualité, hein, Pierre. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on a. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Ah, c'est contré. Oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Ce dégagement qui file en touche. Oh, c'est l'interception. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Nano. Le ballon qui va changer de camp. Le Real Madrid qui a priori devrait s'imposer sans trop de soucis aujourd'hui, hein, c'est du moins ce qu'on attend. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Ouais, c'est sûr que les défenseurs adverses ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant, ils claquent but sur but. En... Oh, la bonne occasion! C'est le but après d'énormes efforts collectifs, hein, de la part de cette équipe. Quel pressing! Ouais, ils ont été courageux, ils courent sur tous les ballons ou presse, et c'est ce qui leur a permis de marquer. Et on revoit ce but assez mérité, tant cette équipe est forte sur le plan collectif en ce moment. Elle vient presser haut, elle sait exploiter les bons ballons récupérés. J'avoue que je suis impressionné là, et il en faut beaucoup. Allez, pourquoi pas l'égalisation? Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Martin Odegaard. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ouais, écoute, s'il fait de l'arbitre, il y a hors-jeu. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Ah non, la balle est récupérée par Ferland Mendy. Lukajovic. Oh, c'est une balle d'égalisation. Oh, le Real Madrid qui est passé vraiment tout près de l'égalisation, là. C'est dommage, mais la finition laisse à désirer, là. Lukajovic. Ah oui, le bon ballon, là. Non, sans problème pour le gardien. Allez, corner pour le Real. Une occasion d'égaliser peut-être. Marco Asensio. Il est contré cette frappe. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Ouais, Hervé, tu vois, les statistiques ne reflètent pas tellement le score avec cette équipe qui se crée un tas d'occasions mais qui court toujours après le score. Il va falloir quand même un jour se décider à les mettre au fond. Lukajovic. On est rentré. Ah non, les occasions. Bon, l'arbitre qui a désigné le point de pénalty. Ça veut dire que l'équipe adverse va avoir un ballon d'égalisation. Et l'arbitre qui... Ah, il arrête! Oh, le gardien qui a fait le bon choix sur le pénalty. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le ballon qui a été contré. À nouveau contré, bien défendu. Et le gardien a sorti au point. Plongeon man. Et une fois de plus, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. C'est logique. Ah oui, pénalty. Pénalty, c'est normal. Oh, il arrête ce pénalty. Quel exploit du gardien. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le ballon qui est dégagé. Ce sera un corner. Attention à ce corner. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Nano. Ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Negredo.
Anthony Lozano. Oh là, l'arbitre qui laisse jouer. La prestation de l'arbitre, mais enfin bon. Le ballon est perdu sur cette belle intervention. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. La passe d'Eden Hazard interceptée. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Le coup d'envoi de la seconde période avec pour l'instant donc ce score défavorable au Real Madrid. Marco Asensio. Luka Modric. Odegaard. Bon échange. Oh, c'est pas bien défendu ça. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ah, c'est... Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Oh, ça c'était dangereux, bonne intervention. Yann Bodiger. Nano. C'est récupéré. L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau, mais ça termine dedans. Et ils égalisent donc un but partout. Con el once, Marco Asensio. Allez, va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Lukajovic. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Attention, si ça rentre. Et le but. Et cette équipe qui aggrave le score. Attention, parce que là, le match est en train de basculer carrément. Un petit but d'avance, donc. Le score est de 2 buts à 1. Interception. Une bonne transmission. Il peut le mettre. Oh là, il fallait intervenir urgemment. Le ballon qui change de camp. Casemiro. Martin Odegaard. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, il est passé, il file vers le but. Hors-jeu signalé. La défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Le Real Madrid qui s'approche du but. Oh, la bonne occasion. Oh, il a sauvé son camp hein, sur cette action. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Bien donné encore une fois. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période. Attention de ne pas se relâcher. Oui, les joueurs du Real Madrid qui mènent au score, mais leurs adversaires n'ont pas encore abdiqué. Les joueurs du Real le savent. Attention. Ouais, entrée. Oh oui, but. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Marca el Madrid. Con el 10, Modric. Ballon, ça. Sergio Ramos qui vient disputer ce ballon. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Odegaard. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Il a sauté pour éviter le tacle du défenseur. L'arbitre qui laisse l'avantage au Real. Lukajovic. Hazard, ça peut faire but. Allez, on va repartir sur un corner.
Le Real en pleine confiance dans cette fin de match. Les supporters meringues le savent, ils chantent pour remercier leurs joueurs. Ah, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée. Oh, le bon ballon! Et le but du Real Madrid! L'arbitre qui siffle à l'instant même.